Francis pour les assister à un événement. Ici à Miami. Chargez mon par côté pour baguer. Moi, je livre 15 minutes pour me baguer. Est-ce que vous combien de livres qu'on signe déjà, Jerry? Je signe un livre, ça fait plaisir, moi, Jean. Communauté New York a reçu vraiment avec vraiment et un bel chaleur. J'ai hâte de lire son livre, en fait. Il se crée livre, ça gagne d'avant, qui fait qu'en Haïti, qu'on a diaspora, il y a fou le monde débat qui vient acheter. Mais qui est sauté ça? Ça le gagne qui fait que tout le monde ça reprend ligne pendant une heure, deux heures de temps, seulement pour aller prendre dédicace dans elle. Pour qui ça? Jeune fille, jeune garçon, intellectuel, étudiant, paysan, ouvrier, monde toute classe, toute couleur peau, semblait tellement content les serrer la main. Vous avez bien vu, il est beau garçon, il y en a qui se contentent de ça. Et il entreprend d'investir en Haïti, et mieux même de s'investir. On a l'impression que cette passion-là cache une mission. Eh oui, Jerry Tardieu, son personnalité bien connue. Avec qui chapeau plus à l'aise? Entrepreneur là ou bien écrivain? Moi-même, je pense que... Où était Jerry Tardieu? Jerry Tardieu, moi-même, son citoyen haïtien. En plus, l'information sur vie personnelle li ak bako académique li, écrit dans le dernier livre li. Dans le livre, ça tout, on est capable d'apprendre un petit peu plus de moi qui est-ce moi, côté de sortir et tout ça et comment nous vivons. On dit seulement que c'est dans l'hôpital Canapé Vert que Jerry Tardieu pousse ses premiers cris. Maman, Michel Argan, avec Gérard Tardieu, papal, t'es accueilli gorge et soleil ça avec un pile tendresse, un pile d'amour. Bien vite, famille Tapral a grandi. Et Jerry prélevine gagne deux frères avec yon sœur. Moi, dès l'école Saint-Louis de Gonzague, on fait tout étude de la 12e à la philo. Ensuite, moi j'étais parti apprendre la gestion des entreprises à Bruxelles en Belgique. Je suis retourné en Haïti en 1991 côté pays a gagné des troubles politiques, économiques, pays a pral konnen embargo et pendant ce temps parents m pral pati, yo pral vivre à l'étranger, donc vinn retrouver très jeune dans pays côté que m pa gen parents qui pou aider m'encadrer, me supporter m. Donc en fait, moi apprendre bataille bonheur, ça vinn permettre moi gon réaction, gon réflexe de monde qui toujours a anticipé bagaille qui ka passé mal de telle sorte que m'assurer que dans planification à long terme, à moyen terme et même à court terme, nous faisons tout ça pour nous faire, pour nous assurer nous que l'objectif nous définit, nous atteindre. De jouer dans la sélection nationale, de jouer pour Haïti. Vous avez un bon rapport avec le Itala? Oui, le match joué dans Violette, Itala, c'était une jeune génération qui a monté. Et ton jeune qui a une pile discipline, et puis son tout qui dans la vie, en dehors du terrain, son équipe a pile principe, en pile valeur. Nous avons connu Itala très bien parce qu'avant le match, nous avons toujours mangé un grand lequin. Quand maman était là dans le coin, par contre, sous qu'on ouvre la ouvre le terrain. Ah ben oui, mais c'est là, mon grand dieu, monsieur. Où grand dieu ouvre le terrain? Coin, dans coin stade, si vous regardez. Maman était là, t'es là, et c'est là tout jouer violette qu'on réunit avant gros match. Peut-être qu'une n'a plus bon moment passé dans la ville, c'est le stade Sylvio Cato, le lac des Salines à jouer. L'heure où je devant stade rempli, et puis ou après des nationales là qu'on parle défendre pays, c'est un moment qui est important. Et moi même pendant ma parole voilà, me changer le négocié hier. C'est dans football m'apprendre vivre avec moun qui gagne moins moyen que moi. Et ou pas de préjugés tout. Bon, j'aime lever à me lever famille, je lever et pour m'apprendre respecter moun pour ça oui, pas pour ça ou gain. Donc moi même pas j'aime gain problème toujours garder moun tant que moun et c'est une et façon de vivre depuis mon tout petit. Moi même avec frère Baté Clène dans bois Kinskof en vacances d'été, nous gain 14 ans, gain 13 ans et n'a marché dans tout bois, on ballon football en bas brano, les amis vont côté une jeune de 3 amis, de 3 petits moun l'âge nous mandé au jeu football, nous toujours garder, moi yo garder nous, on petit Jean, bon et ouais là Jean regarde là peut-être que yo gain une perception gain de vous. Et en fait, c'est là commencer vraiment jouer avec eux, parler avec eux, communiquer avec eux. Et Covin joine et tout le monde sont pied d'égalité. Leur monte terrain, c'est un joueur qui unit. Avec un grand objectif, c'est qu'on a gagné en bataille. Moi même au bataille, leur dire. Il y a mon qui peut être KO là, puis leur dire. Peut-être que Dieu est qui j'aime serrer pour le faire deux coups de poing. On est exagéré. On croit que bataille, oui. C'est ça. Mais je suis toujours coupé là. Mais quoi que je joue mal, non. Non, quoi que bataille, dans le sens que, bon, pour moi, même la vie a son bataille. Son bataille pour essayer d'avancer selon certains principes, pour essayer de travailler pour progresser. Parce que, je me dis toujours, la vie a son boîte calotte. Bien des fois, les boîtes là, elles vont tomber pour la calotte. Par contre, qui le va se prendre? Peut-être qu'un pile dans nous là, nous ne pouvons pas nous arriver demain. Nous ne pouvons pas nous quitter pour nous. Un pile dans nous là, peut-être même déjà perdu espoir, c'est pour qu'on entre dans la vie. Un pile dans nous, par contre, dans qui faculté, dans qui université, dans votre vie. Mais même là, en philo, je ne connais pas ce que je veux faire. Ce bonhomme d'essayer de discipliner, d'essayer de respecter les professeurs, d'essayer d'apprendre le plus que possible. Qu'est-ce que vous pensez de la réussite? Et son bail qui est relatif. Et parce qu'on doit penser qu'on
grand pile l'argent pile réussi pile regardo wè moun sa c'est moun ki pi malheureux bien sous la terre. Réussite là c'est vivre en conformité avec principe ou valeur. C'est faire, c'est avancer dans la vie en hein. Façon que l'on regarde derrière ou que ou t'es fait pour famille ou t'es fait pour petit tout, ou t'es fait pour madame ou t'es fait pour zanmou, mais pas fait seulement pour yo, ou t'es fait pour collectivité ou pour communauté que tu as vivre là. Donc c'est sentiment de gratification personnelle ça qui fait qu'on monde capable estimer, juger que le réussit dans la vie. Ça c'est opinion de Jérita Dieu. Est-ce que à un certain moment Jérita Dieu va qu'on réfléchir dit qu'est-ce que les frappes que m'a prend là, bon j'ai mon bail là et là. Est-ce qu'on va qu'on a envie de se vivre tout le temps. Tout le temps. Et c'est la loi de la vie. Bon citation qu'on aime utiliser un peu. Moi même le tout. tomber 7 fois, se relever 8 fois. Oui. Et est-ce que c'est citation pour une citation non. Ça, non. Ça son proverbe chinois. Ah, son proverbe. Oui, sous tomber 7 fois, faut lever 8. Moi fait mon famille est très soudée et à chaque fois que ma passion est épreuve difficile, il est toujours là avec moi. Et ça c'est clair et puis amis tout. Les amitiés qu'on tisse dans la vie, on capable dire et que c'est des bagages jusqu'à la mort. Donc c'est sous deux piliers ça, on repose optimisme, cette perspective sur l'avenir, faut que j'aille toujours dans tête. Et vol toujours dans tête une certaine positivité. Ou pas j'aime réfléchir. Nèg la gen doit pas faire un bel voyage en Europe. Ils ont m'a font tir river à Paris. Mm-hmm. Tout bas est petit dans notre façon de parler. Mais il y a l'autre monde qui cadeau son forme de modestie. Non, pas une modestie là. Là, c'est une forme inconsciente peut-être d'acceptation que nous-mêmes ça nous fait yo petit et pas de problème à ça. L'on font bagaille petit, li pi bon. Puis tout nous l'aide nous là. Vivons heureux, vivons cachés. Donc, bon série de slogans en Haïti, bon série de proverbes, yo trahi un certain fatalisme, yo trahi une certaine résignation, yo trahi une façon de voir les choses que me pensais que me pas encourager. Il y a une propension naturelle de délation et de destruction. Faut qu'à reconnaître mérite au monde pendant qu'on gagne suspicion en face. Et ou pas obligé tout le temps ba au monde crédit non ou bien faire confiance ballon chance. Besoin révolution non c'est de pratique que nous adopter et ceci à tous les niveaux de la société. Et c'est pour ça que vous avez regardé dans le dernier livre hein? Dernier chapitre là donc conclusion livre là moi intitulé Haïti a besoin de révolution. Et quand je parle de révolution, c'est notre capacité à faire bouger les lignes dans un sens dans le sens d'une rupture intégrale avec tout ça qui kembe nous cap fait faire back pour nous briser chaîne ça et puis pour nous avancer de l'avant. Même mon rêve de grandeur pour pays, mais c'est pas un rêve de grandeur qui basé sur l'utopie. Son rêve de grandeur qui basé sur ça moi. M'parti mal fait 20 signatures, Boston, Long Island, Brooklyn, Canada, Montréal, Miami et qui ça moi. Monde qui vient acheter livre moi c'est haïtien qui quitté Haïti depuis longtemps, gagne là donc pas même parler français même. Me senti été attaché avec pays. Son gros avantage l'on pays qui gagne monde en dedans et dehors qui remet en comme ça. Et pas rien pour faire pas croire que on joue pays ça, rien pour retrouver sa grandeur d'antan. C'est un pays où 50% de la population a moins de 25 ans. C'est très important. Ça veut dire que c'est un pays plein d'avenir. Voyons bon monde qui a demandé justice. C'est voir petit soleil. Voir mon bataille. Yon elle qui sorti bras gauche, jambe passe l'eau pour river juste Jérémy. Elle river juste dans tous oreilles l'Afrique. Mais personne pas de répondre. Je laisse ça, moi me rencontrer. Yon vivent dans qui tout, mais c'est sociologue, c'est professeur, c'est mécanicien, c'est ingénieur. Il s'agit d'intéresser les Haïtiens à l'avenir d'Haïti. Et cet avenir passe aussi par le fait pour les Haïtiens de s'investir. On m'a dit investi dans le pays, et pour chita dans le salon, on a parlé de tout le problème qui gagne, sans qu'on même peut-être pas essayer de participer dans la communauté. Mener un pile d'activités sociales, moi très impliqué dans Pétionville, dans un collectif citoyen que tout le monde connaît, collectif habite dans Pétionville. Nous ambitionnons le cap là pour nous rassembler toute organisation dans Pétionville. Tout le groupe dans Pétionville, en bas cap là, collectif habitant Pétionville. Donc à travers le collectif ça, visiter 5 sections communales et Pétionville, nous apprenons par la moune, nous apprenons contre le problème. Yo. Paysan à moi, famille de la ville, le peuple d'Ambelan,
peut-être des dimensions qui dépassaient et je suis capable de dire côté technocrate là, son homme d'action. Et moi gagner peut-être d'autres facettes de la personnalité que seulement aspect technocrate là. Différentes images d'archives m'a fait des découvertes extraordinaires. Oui, parce que les images, c'est au contre mur. Moi, je me compte que à l'âge côté que un pile jeune, intéressé, à pas plaisir, là, et ça, au même 23, 24 ans, où il a publié premier livre, quoi, c'est Haïti et la Convention de Lomé, c'est ça? Oui, la Convention de... oui, c'est ça. Lié. J'ai écrit ma thèse de fin d'études sur la Convention de Lomé et Haïti pour la simple et bonne raison que pour moi, la Convention de Lomé représente un outil concret du futur développement de mon pays. Nous avons le plaisir d'inviter Jerry Tadio qui vient d'écrire un livre sur l'embargo en Haïti. Comment avant-tu ça? Moi, presque que ça, c'est résultat trajectoire vim. Maman, son monde qui est très branché sur question académique, question littéraire, question liée avec écrit. Et chaque semaine, chaque vendredi, dans Saint-Louis, je remets un bulletin. Mais contrairement à toute l'autre maman qui t'a offert petit un bonbon, un jouet, maman t'a mené dans la librairie qui était dans le coin rue du Saint-Lan et les librairies étaient là. Elle t'a dit me choisir un livre. Je n'ai peut-être 5-6 ans. Et bien c'est ça qui m'a mis le goût de la lecture, le goût de l'écriture et le goût de la recherche. Moi, c'est plutôt un essayiste. C'est un entrepreneur qui a gagné une somme d'expérience que l'accumulé. Et qui gagne des idées, des rêves, des visions que l'on vit partager avec monde qui est capable, qui veut l'île. Donc, l'on regarde bien tout écrit, moi, c'est sous Haïti. Et c'est des thèmes qui touchent au développement, à l'économie, à la finance, à la création d'emplois. Donc, toute une série de bagages que je pense que je ne parle pas assez de eux et que moi, j'ai une responsabilité comme acteur dans le secteur économique pour me parler de eux. Parce que jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont une belle idée, qui ont un bel projet, ils ont bloqué son problème. Qui c'est problème accès au capital. Le système éducatif n'a pas formé comme entrepreneur. Maintenant, son bagage que nous avons développé en pile ces derniers temps, parce que il n'y a pas encouragé des jeunes à entrer dans le business, bagage comme ça, etc. Maintenant, qui j'ai pour nous faire pour que nous fassions ce système-là venir en diapason par rapport à une nouvelle dynamique? Bon, je pense que si nous avons préparé les citoyens pour le 21e siècle, dans le cursus, dans l'éducation, dans la préparation, dans la formation, tout pendant l'école ou bien va faire retour pour faire filou, faut qu'a déjà commencé mon projection sur l'avenir, côté que c'est pas nécessairement job li va chercher mais son bail il va le créer. On y a pas un problème non, qu'a commencer pas job, mais faut toujours gagner en tête que peut-être son passage transitoire pour aller vers une certaine autonomie. Parce que il faut que nous gagnions plus jeunes garçons, jeunes femmes qui investissent. Pour jeunesse qui gagne un esprit entrepreneurial et qui manque moyen, qui ça a besoin, c'est pas tellement crédit à nous, il besoin petit corps pour déraper. Et bien, c'est comment on va le faire pour Balil? Loi fonds budget national, on dit bon, comme c'est la jeunesse qui pique plus, comme nous avons un problème d'emploi et de chômage, et bien peut-être qu'on va chercher un pile côté dans le budget, on va couper une série de postes, une série de modèles, et bien on va le mettre au loi fonds d'investissement. Imaginons, on est qui sont terriers rouges, qui ont une idée pour venir rencontrer une banque, parce que le projet de développement agro-industriel dans la zone. Yo pa konn elle, li pa en contact, li pa konn moun, et le bon bel projet, le bon belle idée, le bon bel rêve. Okay. Mais gon problème, l'arrivée Port-au-Prince, li pa gen institution pour la joindre, li pa un côté pour joindre quoi. Ça son problème crucial que m'aborder dans livre moi. L'homme dit que Haïti capable bon destin d'exception. Dans livre moi yo montrer pour qui ça gen potentiel. M'pa voulu le monter comme ça, m'expliquer pour qui ça. Nous capable renouer avec la croissance, avec la prospérité. Contact avec jeunes. En particulier jeunes universitaires, ça représente pour vous en fait. Je changeais l'aime de l'école, je me Saint-Louis à 18 ans. À part maman, papa, qui c'est maman, papa,
on pas de gain vraiment des modèles ou bien des monde qui dans société avec bon expérience ou bien qui réussit qui te vienne parler avec pour expliquer mais ça la vie aille mais qui chemin qu'on prend mais qui difficulté qui contre qui problème qui gain sous tel ou tel chemin donc moi même moi penser dans cadre responsabilité sociale ou entrepreneur ou gain pour parler à jeunesse là non discours d'encouragement non discours d'encadrement et non discours de proposition tout parce que jeunesse ça li rien pays mais souvent il pas gain modèle il pas gain monde qui pour bal chemin pour le passer donc moi penser que son responsabilité pour tout monde qui gon expérience qui gon compétence qui gon minimum de réussite autant soit elle pour le capable partager avec jeunesse et pour ça me tellement impliqué au niveau des universités j'en dis même sous essayer orienter la vie au monde qui dont ils ont perdu ou mec pas qu'on côté là pour aller ou font gros bail dans vie. Mais que nous fassions retour sur l'aventure Oasis, là, si vous voulez. C'est d'abord 7 années de sacrifice de travail pour tout le monde qui te mettait à 20 mieux et qui te croyait que ça était possible. Pas oublier que nous sommes en 2007, là, nous commençons ce projet ça pour qu'on gagne tout le monde qui vient après nous. Et c'est toujours comme ça qu'on fait développement. Jeune entrepreneur, venu à Wanamet il y a 3 mois, venu pour m'ouvrir en chocolaterie que j'ai fait avec 100% chocolat haïtien. Donc là, M. Tardieu dit oui, investir et s'investir en Haïti, c'est un acte de foi. Oui, j'ai fait grand plan dans ça, j'ai étudié à l'étranger et puis j'ai décidé de rentrer dans le pays. Je dois vous dire que sincèrement, cet homme m'a épaté. Je le considère comme un espoir pour la jeunesse. Le Rivet Tardieu est pour moi un révolutionnaire. Ce n'est pas pour lui qu'il a écrit ce livre. C'est pour, en quelque sorte, éclairer, édifier la communauté. Il veut donner sa participation dans la reconstruction d'un pays brisé. Jerry se fait le porte-parole, le héros de l'entrepreneuriat social. Et ceci est extrêmement important pour Haïti dans l'état où nous savons qu'elle se trouve. Il y a ce goût de faire, ce goût d'entraîner les autres dans son sillage. Et qui montre peut-être une nouvelle piste, une nouvelle perspective à cette nouvelle génération. Au moment où le professeur Fritz Dorvilliers, par exemple, font comparaison de vous-même entre Edmond Paul. Oui, je pense que vous avez fait référence à un article qui était pas dans le Nouvelliste. Oui. Tu as parlé de moi comme la réincarnation d'Edmond Paul. Exactement. Je ne suis pas de compte Fritz Dorvilliers dans l'écrit article là. Son comparaison qui est très flatteuse parce que Edmond Paul, c'est une pigo penseur haïtien. Et que moi m'apprécie que m'admire un bille avec un ténor filmé tout et yo était en avance sous temps yo yo était fait partie de penser des penseurs ou bien des haïtiens qui étaient pas seulement rêvé de modernité de grandeur pour pays yo mais yo était mis sous papier des théories des thèses des concepts que yo était mandé gouverneur pour appliquer et ben c'est que si yo était tendé monde ça à l'époque Haïti dans l'autre pays aujourd'hui. Est-ce qu'on a une opinion personnelle sur la politique haïtienne aujourd'hui? Ben, c'est que la politique haïtienne, là, malheureusement, aujourd'hui, après toute année d'indépendance, après des velléités de mettre en place une démocratie fonctionnelle, puissante, efficace, il est forcé de constater que aujourd'hui, malheureusement, en Haïti, personnalité politique, malgré toute admiration, appréciation pour un pile là-dedans, mais il n'y a pas marié à pays, il n'y a pas suscité l'espoir, un jeune qui a gardé. Yo envie tande ça. M'pa di pou al bluffer yo non. M'pa di pou al ba yo menti non. Mais au moins ou dégager des pistes pour l'avenir qui fait que yo reconnaître yo non ba k'ap vini. Est-ce que situation non li nous ta doué rendre nos politiciens responsables? En grande partie oui. Même parce que c'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que collectivement, parce que tu as un manque de prise de responsabilité de la part de nos élites, tant politiques que privées. C'est ça qui fait que nous vivons toute stabilité politique. Ça. C'est ça qui fait tout que nous ne sommes pas jamais capables peut-être entendre nous sur un projet national de développement. C'est ça qui fait tout que un pile monde et pendant 30 dernières années, au parti quitté le pays. Même là, je comprends que nous avons découragé avec le pays par rapport aux difficultés. Moi-même, je n'ai pas choisi le problème. Moi pas choisi ouais difficulté qui vient. Moi choisi ouais potentiel qui vient. Et moi choisi quoi que gagne haïtien qui va mettre tête ensemble pour que oublier difficulté, oublier problème et aussi exploiter opportunité.
Moi exercer un métier qui bon chance rencontrer plusieurs monde valable dans société qui investit tout yo même ak sa yo possédé en dedans pays nou Haïti. Chaque monde sa yo c'est modèle. Yo c'est héros tout. Là nous considérer qualité difficulté, yo doit combattre chaque jour. Jerry Tardieu pour moi c'est tout ça avec un petit bagage en plus. C'est que l'amour gen pour pays d'Haïti de plus en plus semble contagieux. Li parle bien fort et li écrit pour jeune génération qui a grandi ou apprendre li. Film ça c'est façon pam pour me dire merci, pour me dire continuer et pour que dans 5, 10, 20 ou 30 l'année encore nous ta capable gagner plus Jerry Tardieu dans tout raconte pays d'Haïti.